plus belles salles de cinéma du monde. Celle qui a comme plafond la voûte céleste. Un écran aussi gigantesque, et comme les acteurs étaient minuscules, ils semblaient encore plus géants grâce à cet écran hors de proportion, qui était vraiment une projection magnifique. Ouais. C'était la première fois qu'il y avait une projection en public de Microcosmos. Donc, faire un film, c'est toujours comme une bouteille qu'on lance à la mer. On ne sait pas du tout comment ça va être reçu. Peut-être le fait d'être à l'extérieur, ça rend le spectateur plus libre dans ses réactions. Et c'est vrai que c'était extraordinaire, parce que nous, on avait des antennes, sans être des insectes, on avait des antennes pour dire comment le public va-t-il réagir. Et ces petits rires qui fusaient par moments, ou ces soupirs, c'était extraordinaire. Je pense qu'on n'a jamais eu effectivement des réactions qui soient si perceptibles. Grazie. Piazza grande. En stéréo.